Il est l'heure du réveil. Bon matin, le monde. La journée sera merveilleuse. J'aime me réveiller à tous les matins à 4 heures pour pouvoir aller nourrir mes petits oiseaux. Ils sont magnifiques. Ça va-tu là? Je peux-tu voir? Tu pour entrevue? Ok, parfait. Je suis prêt. C'est you, mon gars! Cyanocytocristata en marde. Fait que, là, si je cache ma nourriture pour toujours avoir des réserves. Comme ça, je manque jamais de bouffe. C'est pas vrai! C'est un piège! Oh, mon mec! Oh, fuck! C'est tellement beau. C'est fou comme tout est plus beau le matin. Comme le temps passe vite. C'est ma petite cachette numéro 1. Mon papa me l'a laissé au cas où qu'il aura à fondre des glaciers. Je suis un peu immature. Je fais 2 heures de yoga par jour. Je sens que ça commence vraiment à porter fruit. Mon magasin local d'esprit et d'amour est fermé, donc je fais mes propres encens. J'utilise des tomates et de l'essence à briquet. Ça brûle comme mon cœur brûle d'amour pour la nature. Hey, check ça! Rapide, le petit gars! Cachette numéro 2. Parfaitement équipé pour la survie en forêt. Encore du café? Quand tu dors, t'es vulnérable! Dans ma cuisine, j'aime que les choses soient organisées, donc j'aime étiqueter tous mes aliments. C'est plus efficace. Ha ha! Ça mort! Je pensais à ça. T'es-tu capable, là, avec ton ordinateur, de comme cacher mes cabanes au montage? C'est avec quoi encore? DJI? BDSM? Non. C'est you, mon gun! Ah, fuck, pas encore! Je suis désolé, je voulais pas dire le mouet. Non, monsieur Moust... Alfred... Non, Alfred! Je t'aime, bébé, je suis désolé. Je t'aime, bébé, je suis désolé. Il faut vraiment que je recommence à bouger. Un mois, je fais rien. Mais bon, ça fait du bien. I invite you to take a slow, easy, deep breath in. J'ai l'impression qu'ils se battent pour mon sommeil. You can close your eyes with great assurance. En tout cas, moi, le COVID, dérange pas tant que ça touche pas mes arbres, tu sais. Puis tu n'aimes pas mon jardin, puis on est tigidou. Mon rêve d'envie, moi, c'est d'être chevalier des ténèbres.
Je pense que le monde sera changé à tout jamais. Je crois que la distanciation sociale va permettre le monde entier de se réunir davantage. Je pense que la pandémie, c'est une étape nécessaire à franchir pour permettre le rassemblement et l'épanouissement des âmes et des communautés partout autour du globe.